Donc le lobby du tabac a sabré le champagne la semaine dernière. En effet, en diminuant les amendes sur la publicité illégale pour le tabac de 80 000 à 2 000 euros, vous avez invité les lobbies du tabac à persévérer dans leurs manœuvres de contournement de la législation. En Belgique, nous étions précurseurs en matière de lutte contre le tabac. Aujourd'hui, des études prouvent que nous sommes à la traîne. On sait également que les jeunes sont plus sensibles à la publicité. Et ça, les publicitaires et le lobby du tabac le sait bien. Parce qu'en fait, la stratégie des tabatiers n'est pas de faire changer un consommateur de tabac de marque, mais de convaincre de nouveaux fumeurs. Et donc ces nouveaux fumeurs, ils vont les chercher où? Ils vont les chercher chez les catégories les plus fragiles. Eh bien, ce sont les jeunes. Et donc ce que je vous demande ici, Madame la Ministre, en tant que ministre de la Santé, c'est de supprimer purement et simplement les dérogations à l'interdiction de publicité pour le tabac et de donner les moyens aux inspecteurs de faire leur travail. Merci. Merci Madame Schlitz.